La solidarité ne faiblit pas autour des victimes des inondations du 28 août dernier à Bamako. Néanmoins, malgré les nombreuses contributions, les familles sont toujours logées dans des établissements scolaires. Notre rédaction a enquêté sur les dispositions prises pour résoudre le problème vu l'ouverture prochaine des classes. Bamako se prépare à accueillir le 19 septembre prochain la 5e édition du Festival international de la danse et de la percussion. 5 pays de la sous-région doivent prendre part à ce festival dont l'objectif est de contribuer au développement de l'Afrique à travers la culture. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Notre pays a été fortement arrosé ces derniers jours. En plus de la capitale, Kai a enregistré une forte pluviométrie ces dernières 48 heures. Les fortes pluies ont provoqué des inondations dans les quartiers de Kai Ndi, Legal Segou et Hasso. Les dégâts matériels sont importants. Les initiatives ne manquent pas pour porter assistance aux victimes, mais le manque de caniveaux pour l'évacuation des eaux est à l'origine de ces inondations qui surviennent presque chaque année. Jafar Haïdara. Des fortes pluies se sont abattues sur Kai ces dernières 48 heures et ont causé des inondations dans les quartiers de Kai Ndi, Legal Segou et Kassou. À Legal Segou, à côté de la direction régionale de la douane, des familles sont envahies par les eaux et ont perdu vivres, biens et animaux, tous emportés par l'eau. À Kai Ndi, ce sont les populations qui se mobilisent pour faire loger les sinistrés dans les bâtiments inhabités. Notre équipe de reportage n'a pu accéder à ces populations de Kai Ndi car la route est coupée par l'eau. Les fortes pluies qui se sont abattues ont causé d'énormes dégâts. C'est inexplicable. Des familles entières, une trentaine qui se trouvent sous l'eau à hauteur d'un mètre, on ne peut pas être, en tant que responsable, on ne peut pas s'asseoir et regarder. On est en train de recenser tous les ressortissants de Kai Ndi qui ont des maisons vides pour pouvoir réarroser ceci. La direction régionale de la protection civile a mobilisé tout son personnel et matériel pour venir au secours des victimes. Le constat, il est amer. Amer sur plusieurs points. D'abord, quand nous sommes venus, on a vu qu'il n'y a pas un système d'évacuation. Donc, on s'est transporté vers la centrale d'Orange Mali. Là-bas, il y avait des grillages qui bloquaient, n'est-ce pas, les résidus. Donc, il fallait dégager ces grillages-là. Ensuite, essayer de voir en amont de ces grèves-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Ces inondations que les populations de Kai vivent chaque année sont dues au manque de caniveaux de drainage des eaux de ruissellement. On espère, parce qu'à Kai Ndi, tant qu'il n'y aura pas de fossé, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Le maire de la commune urbaine de Kai, après avoir fait le tour des zones inondées, lance un appel à toutes les bonnes volontés pour venir en aide aux sinistrés. La mairie, quand même, est toujours là avec ses partenaires. On verra quand même, avec la possibilité de nos moyens, ce qu'on pourra apporter comme soutien. Les Kaïsiens craignent que ces inondations soient source de maladies d'arrivée. De Kai à Bamako, même constat. Vous le savez, les inondations du 28 août dernier ont causé d'énormes dégâts et de nombreux sinistrés, entraînant plusieurs sans-abri en commune 1 et 4 du district de Bamako. Plus de 9000 personnes sont provisoirement hébergées dans des établissements scolaires. Une solution qui ne rassure guère avec l'ouverture très prochaine des classes. Notre équipe de reportage dirigée par Nando Damélé est allée s'enquérir des conditions de vie de ces familles et des nouvelles dispositions prises pour leur recasement. Le reportage. Avec plusieurs habitations effondrées, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Elles sont plus de 5000 en commune 1 et plus de 4000 en commune 4, hébergées provisoirement dans des écoles où les conditions d'existence varient d'une commune à l'autre et d'un site à un autre. Ce que confirme le maire de la commune 4. Nous sommes à peu près à 8 millions de francs CFA, de dons récoltés au niveau de notre commune. Et nous avons des dons en nature. Des dons en nature qui sont de plusieurs catégories. Vous avez des vivres, des médicaments.
le nécessaire d'habillement, de couchage, mais vous avez aussi le nécessaire de cuisine et autres nécessaires domestiques. Tous ces dons, nous avons souhaité coordonner leur réception et leur déploiement. J'ajoute ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le comité d'urgence contient déjà des représentants des sinistrés. Et que dans chacun des deux sites temporaires, dans les écoles où les sinistrés sont accueillis, des organisations ont été mises en place. En commune 1, le son de cloche est le même, avec quelques nuances près. Nous avons travaillé avec ce qu'on avait comme moyens et ce qu'on a reçu comme moyens, en faisant des kits à chaque déplacé, ensuite à les installer dans les salles de classe. Ce travail a été très bien fait et les gens ont été ravitaillés. Pour les nouveaux sites d'hébergement, les autorités municipales et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour parer au plus pressé. Il y a la gestion de l'après. Le comité a entrepris des démarches qui consistent essentiellement à identifier un site de relocation et à trouver des tentes pour reloger de manière temporaire les populations concernées. Hier à 15h, on était en réunion avec le comité de crise élargi. Nous avons répertorié en tout cas 3 sites d'hébergement non aménagés pour le moment. Pour une meilleure gestion des dons faits aux sinistrés, les autorités municipales invitent les donateurs à passer toujours par les comités de crise. Rappelons que toutes les dispositions prises ou en cours pour gérer cette crise sont provisoires et que des stratégies globales sont en train d'être élaborées pour une meilleure sortie de crise. Et la mobilisation se renforce chaque jour autour des sinistrés. 40 millions de francs CFA, c'est la valeur du don que Save Children vient de leur offrir. Un don composé essentiellement de matériel de cuisine. Fatouma Takoni. Save the Children intensifie l'action humanitaire en agissant en faveur des victimes des inondations du 28 août dernier. L'organisation vient d'offrir du matériel de ménage aux 1700 familles sinistrées. D'une valeur de 40 millions de francs CFA, ce don est composé de marmites, de tasses, de gobelets, de bouilloires, de louches et de savons. L'aide sera répartie entre les sinistrés de la commune 1 et de la commune 4. On est venu véritablement vous assister, les mettre à votre disposition pour que les enfants, les femmes et les hommes qui en ont besoin puissent en bénéficier. Au nom des familles touchées par la catastrophe naturelle, les présidents des comités de crise rassurent par rapport à la gestion de ce don. Et nous nous battons quand même pour que ces familles déplacées puissent avoir des conditions meilleures, c'est-à-dire dans les jours, sinon des mois à venir. Et je tiens aussi à vous rassurer que ces matériels-là seront utilisés à bon escient. C'est une très grande action qu'on ne va jamais oublier. Les responsables de Save the Children promettent d'autres aides dans les jours à venir. C'est un message de félicitations adressé au Premier ministre. La Coordination nationale des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants détaillants, les partis unis pour la République pure, la coalition Ibeka Mali d'abord, se réjouissent tous de la nomination de Oumar Tatam Lee comme Premier ministre et lui souhaitent plein succès dans ses missions. Fin de l'atelier de sensibilisation et de valorisation sur le nouvel uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives organisé par le secrétariat permanent de l'OADA. La rencontre d'échange a porté sur les procédures à suivre pour la construction d'une société coopérative. Fademba Keita. Premier du genre, cet atelier a permis aux représentants des sociétés coopératives de l'espace OADA de se familiariser avec plusieurs concepts. On a présenté de façon générale les coopératives et ce qui les distingue des autres sociétés. Et ensuite, on a aussi présenté leurs principes cardinaux, ce qui fait qu'on dise qu'une société est une coopérative. Après, on a essayé de présenter dans le second module
la constitution d'une société coopérative. Quelles sont les exigences que l'acte uniforme pose comme condition pour pouvoir créer une société coopérative. La formation s'inscrit dans le cadre de la relance et de la promotion des activités coopératives dans les 17 pays membres de l'OADA. Il s'agissait de faire en sorte que nos économies puissent connaître le progrès, que nos populations puissent s'en sortir sur le plan économique. Nous y sommes. Les coopératives, de quoi s'agit-il? Comment faire pour que ça sorte de l'ombre? Ce renforcement des capacités de plus de 100 coopérateurs maliens vise à mieux maîtriser les procédures à suivre pour le fonctionnement normal d'une société coopérative. Ces coopératives n'ont pas facilement accès au crédit. C'est-à-dire que l'accès au crédit est très important. Et ça, c'est une autre recommandation. Une autre recommandation concerne la vulgarisation et la formation. Donc, c'est pourquoi il faut porter aussi ces différents textes à la connaissance des acteurs pour qu'ils puissent s'en approprier. Je formule ici le vœu que les recommandations issues de nos travaux soit de véritables engagements collectifs pour un meilleur épanouissement du secteur coopératif. Le professeur donc, nous a vraiment édifié sur les aspects concernant la création des sociétés coopératives, les acteurs des sociétés coopératives, les différentes phases au niveau des fédérations fêtières, c'est-à-dire les unions, les fédérations, les confédérations, comment les mettre en place. Le secrétariat permanent de l'institution prévoit très prochainement des formations similaires au Cameroun et dans d'autres pays. La formation sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives a pris fin par la remise d'attestation aux participants. L'Observatoire des droits de l'homme et de la paix souhaite faire le point de la situation des droits de l'homme au Mali en se basant sur la déclaration de Bamako. Pour ce faire, l'Observatoire a fait appel à des conférenciers de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la paix. C'était à la faveur de son deuxième conseil d'administration. Reportage de Alocene Touré. Cette deuxième session de son conseil d'administration est l'occasion pour l'Observatoire des droits humains et de la paix de faire un bilan critique du chemin parcouru. Dans le contexte de post-crise qui est le nôtre, la déclaration de Bamako et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance retrouvent toute leur actualité, tant dans leur esprit que dans leur contenu. Ces deux instruments juridiques constituent pour l'Observatoire des référentiels en matière de démocratie, de l'état de droit, et consacre les principes fondamentaux tels que le caractère inaliénable de la dignité humaine, de l'égalité des êtres humains, le droit de chacun de participer à la vie sociale et politique. D'éminents acteurs œuvrant sur le terrain des droits de l'homme et de la paix ont été invités à réfléchir sur cette matière. Leur contribution permettrait de mieux affiner les actions tendant à améliorer les droits de l'homme au Mali. Depuis sa création, je suis particulièrement les travaux de l'ODHP qui s'inscrivent naturellement dans la logique et l'action de la Commission nationale des droits de l'homme, à savoir la promotion et la protection des droits de l'homme. L'Observatoire est une organisation à but non lucratif. Il a 2 ans d'existence et regroupe en son sein plusieurs organismes poursuivant les mêmes objectifs. En deuxième région, le rôle et la participation des femmes à la vie politique étaient cette semaine au centre d'un forum d'échange et de discussion à Banamba, initié par l'ONG suédoise Diakonia Mali. Ce forum vise à augmenter la participation des femmes aux élections législatives et communales. Seydou Traoré. Ce forum de Banamba vise en clair à rehausser la représentativité des femmes au sein des instances de décision. Diakonia Mali, en collaboration avec l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD, veut identifier ici les facteurs qui favorisent et défavorisent la participation des femmes à la vie publique. La centaine d'acteurs venus des 9 communes du cercle de Banamba ont pris connaissance du rôle de la femme à la vie politique, une manière de doter les femmes de compétences nécessaires dans leur émergence sur les sphères de décision. En effet, les femmes, en tant que cadre d'animation de la vie politique, sont le lieu par excellence de la promotion du leadership féminin. Plus que de simples militantes ou de simples électrices, il est question plus que jamais de reconnaître les capacités de nos sœurs à occuper des postes de responsabilité. Je suis satisfaite
Ce sont des forums pareils qui doivent être très bien multipliés parce que c'est concernant les femmes. J'ai pu apprendre quelque chose lors des échanges, comme le fait de la confiance même en soi. Ce forum de Banamba a formulé 6 points pour les recommandations. Des points clés qui mentionnent la sensibilisation des femmes à la vie politique, la mise en place des stratégies de mobilisation des ressources financières pour les candidates, le renforcement de la cohésion sociale entre les femmes, entre autres. Les femmes ont été bien requinquées et je crois qu'il y a l'accompagnement aussi qui va suivre. On ne va pas s'arrêter à ce forum d'échange. On va créer beaucoup d'autres cadres d'échange et puis on va aller sur le terrain, utiliser les médias, la presse. Le préfet de Banamba, Boubacar Bakayoko, a salué cette initiative de l'ONG Diakonia. Il a ensuite encouragé les femmes à jouer leur partition dans la vie politique. Le cercle de Banamba et ses 9 communes compte de nos jours 12 femmes élues conseillères et 0 femmes députées. À Gao, le commandant de l'opération Maliba était face à la presse. Il s'agissait d'informer les journalistes sur le rôle joué par les forces armées et de sécurité en période électorale, sa mission dans le maintien de la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le retour des déplacés dans leur localité. De janvier à nos jours, l'opération Maliba a mené plusieurs activités, parmi lesquelles des arrestations de terroristes et autres bandits de grand chemin. Reportage de Boubacar Babletou. Il s'agissait au cours de la conférence d'échanger avec la presse sur le rôle joué par l'opération Maliba dans le processus électoral, la situation sécuritaire du théâtre de l'opération Maliba, ainsi que les dispositions prises pour le retour des déplacés dans les zones respectives. À titre de rappel, l'opération Maliba couvre les 3 régions administratives du nord du Mali et quelques parties des régions de Mopti, Ségou et Koulikoro. De janvier à nos jours, elle a permis l'arrestation de 79 djihadistes et autres malfrats à Tombouctou et 95 à Gao sur dénonciation des populations. Toute chose qui aide l'armée dans sa mission. Cette mission ne peut pas être une réussite sans une participation de la population. Et cette participation de la population ne peut arriver que lorsque la population sait qu'est-ce que son armée attend d'elle pour pouvoir mieux la sécuriser, pour pouvoir mieux la protéger et pour pouvoir mieux atteindre ses attentes. Ce cadre a permis aux hommes de la presse d'évoquer un certain nombre de préoccupations relatives à la situation entre les MNLA et les autorités maliennes à Kidal, la relation entre l'opération Serval, l'amunissement et l'opération Maliba, ainsi que les stratégies de défense des personnes et de leurs biens, entre autres. Des explications techniques ont été données à la presse dans ce sens, afin d'avoir une convergence d'idées entre les militaires et les journalistes. Le grand message qu'il faudra véhiculer, qu'on a compris, c'est que la mission du militaire ne peut aboutir sans l'aide de la population. Au cours de la conférence, le colonel n'a cessé d'exhorter les populations à informer les forces armées de sécurité afin qu'elles puissent accomplir leur mission régalienne. Comment les forces armées du Mali doivent-elles lutter contre l'utilisation des engins explosifs improvisés sur le théâtre Maliba? La question était au centre d'une formation qui a eu lieu au camp Firoun de Gao mardi dernier, organisée par le poste de commandement Maliba avec l'appui des forces Serval. Cette rencontre d'échange a renforcé les capacités techniques des militaires en la matière. Reportage d'Aouda Sidiki Diara, Moussa Balo. L'utilisation des engins explosifs improvisés fait payer un lourd tribut aux soldats et aux populations locales. Pour lutter contre ces explosifs, les forces armées du Mali ont mis l'accent sur la formation des hommes. Le souci au niveau du commandement du théâtre des opérations, c'est de toujours continuer à améliorer l'environnement sécuritaire. Et nous le savons, il y a encore effectivement de la pollution avec les engins explosifs improvisés. Donc à travers le partenaire Serval, nous profitons de cette opportunité pour former encore les hommes. L'entraînement doit être continu, former les hommes c'est toujours important. Les dangers liés aux explosifs, c'est d'abord une question de priver la mobilité de nos troupes. Donc il s'agit d'être toujours vigilant et d'avoir des savoir-faire pour pouvoir détecter cela. De janvier 2013 à nos jours, plus de 138 tonnes d'explosifs ont été saisies et 80 autres neutralisées. Ces engins peuvent être camouflés partout, accrochés à des animaux ou encore posés le long des routes, voire même attachés à des êtres humains tels les kamikazes. Le 26 juillet passé, il y a un bombe français qui a sauté sur un engin explosif le long de l'axe Gao Anefix. Je pense que la solution, c'est de patrouiller intensivement la zone, ce qui est en train d'être fait avec
le PC de l'opération Maliba. Selon le commandant Olivier Madonna des forces servales, la lutte contre les engins explosifs improvisés est axée sur la neutralisation et le démantèlement des réseaux. Alors, au Mali, on a pu découvrir tout l'éventail des engins explosifs qu'on peut trouver. Ça allait du plateau de pression, un engin relativement simple pour contre les véhicules, jusqu'aux engins plus sophistiqués comme les engins radiocommandés, commandés par téléphone portable ou autre système. Ce genre d'engin, c'est l'affaire de tous. Ça va du combattant jusqu'au commandement qui doit vraiment préparer son affaire. La première source, c'est gagner la confiance de la population. La population, si elle a confiance en vous, elle vous dira où est-ce que les engins sont posés. Ensuite, la deuxième façon, c'est de priver l'adversaire de tout ce qui pourrait lui permettre de fabriquer des engins explosifs. Cette formation a été organisée par la zone de défense numéro 1 et l'opération Maliba en partenariat avec les forces servales. Parlons à présent de la rentrée prochaine. Dans le Nord, on se prépare. 14 millions de francs CFA, c'est le montant investi par le conseil régional de Tombouctou pour doter les établissements scolaires en mobilier. Et cela permettra aux élèves et maîtres de travailler dans de meilleures conditions. Adama Dimdi. Nous sommes ici à l'école Baris de Tombouctou. Les dernières pluies ont eu raison de cette classe. Les responsables scolaires se trouvent ainsi dans un besoin de salles et de mobilier scolaire. D'une valeur de 14 millions de francs CFA, c'est 250 tables bancs et 50 bureaux mis à la disposition de l'Académie d'enseignement de Tombouctou par le Conseil régional permettra aux élèves et maîtres de travailler dans de meilleures conditions. L'année scolaire 2013-2014, j'en suis convaincu que ces 250 tables bancs, ces 50 chaises et 50 bureaux mètres seront d'une utilité extrême pour pouvoir améliorer la qualité du système à travers le travail que nous allons faire durant l'année scolaire. C'est grâce à notre partenaire d'Auvergne, dans le cadre de la coopération décentralisée, la région de Tombouctou est en coopération avec la région Auvergne. Donc nos partenaires connaissant les besoins que nous avons, vous savez que le passage des djihadistes a beaucoup impacté les établissements scolaires et puis les équipements. Donc nous avons pensé qu'une des priorités est de pouvoir offrir quelques tables bancs et des chaises et des bureaux aux professeurs au niveau des établissements secondaires. Le directeur de cabinet au nom du gouverneur de région a réitéré sa reconnaissance aux donateurs et a invité d'autres à emboîter le pas aux partenaires français. Agriculture et élevage à présent, l'ambassade du Royaume du Danemark vient d'apporter une contribution en faveur des producteurs agricoles et des éleveurs de la région de Mopti. Les dons qui sont composés donc de semences, d'engrais et d'aliments bétail ont été remis aux bénéficiaires à Kona. Yaya Bokoum. Cérémonie certes modeste mais revêt une signification toute particulière en ce sens qu'elle est une forme de la manifestation de la solidarité internationale en faveur des populations affectées par les effets collatéraux de la double crise politique et sécuritaire que notre pays a traversée. C'est un appui de l'ambassade de Danemark qui a bien voulu cette année encore une fois appuyer les producteurs de la région de Mopti. Et ces producteurs ont eu pas mal de difficultés au cours de la période de crise. Et l'année dernière où les gens espéraient beaucoup par rapport au fait que les cultures étaient bonnes, mais malheureusement, il y a eu une pression assez forte. Ainsi, l'ambassade du Royaume du Danemark a mis à la disposition des producteurs agricoles et éleveurs de la région de Mopti 1000 tonnes d'aliments bétail, 6000 unités de pierre à lécher pour l'ensemble des 8 cercles, 48 660 tonnes de semences de riz, 81 100 tonnes d'engrais DAP et 162 200 tonnes d'urée pour les cercles de Mopti, Douanza, Teninko et Yuaru. Cette initiative salvatrice de l'ONG NEF cadre avec les orientations politiques stratégiques du gouvernement de la République en matière agro-pastorale, subventionne les intrants en vue de booster la production agricole et pastorale. Les bénéficiaires ne pouvaient que s'en réjouir et saluer l'initiative. À noter que le projet d'urgence de soutien à la campagne agricole dans la région de Mopti est financé par l'ambassade du Royaume de Danemark pour le suivi et appui conseil NERES Fondation. 9 Mali.
À Sikasso, l'association des professeurs de mathématiques récompense les meilleurs élèves de la discipline des académies. C'était à la faveur de la 8e assemblée de l'association. Il s'agissait de favoriser la culture de l'excellence par la démystification des filières scientifiques. Daouda Diakité. C'est la salle des professeurs du lycée Monseigneur Didier de Monclos de Sikasso qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves en mathématiques des académies d'enseignement de la 3e région. Une initiative de l'association des professeurs de mathématiques de la région de Sikasso qui se tient à la faveur de la 8e assemblée générale de l'organisation pédagogique. Il y a une déperdition alors des apprenants au niveau scientifique vers les filières littéraires. Alors c'est cette tendance qu'on veut renverser. En tout cas, rendre les mathématiques accessibles au grand nombre. Au titre de l'année 2012-2013, Boubacar Diallo de l'IFM Koutiala pour les 10e, Adama Barry du lycée privé Django Magassi Tunkara pour les 11e sciences et Seydou Koulibaly du lycée privé Ousmane Sidibé de Koutiala ont été les meilleurs élèves dans le domaine des mathématiques. Occasion pour les autorités scolaires, parents d'élèves, élu de saluer cette dynamique et d'inviter à une démystification des mathématiques, à encourager le choix des filières scientifiques par les élèves afin de rehausser le taux dans ces filières. L'atteinte de ces objectifs contribuera sans nul doute à créer la culture de l'excellence au niveau de l'école d'une part et à donner le goût des sciences aux élèves d'autre part. Un espace d'échange qui mérite de faire école, selon l'inspecteur général des mathématiques. Hors de nos frontières, le plus grand navire porte-conteneurs du monde vient d'accoster au Maroc. Avec 399 mètres de long et 59 mètres de large, le navire peut contenir jusqu'à 18 000 conteneurs. En Égypte, les manifestations, même si elles ne sont plus aussi suivies, continuent de créer des affrontements entre pro et anti-Morsi. Et la Somalie est une nouvelle fois en proie à des violences. C'est l'essentiel de l'actualité sur le continent. Attention, certaines images du premier reportage peuvent choquer. En Somalie, un double attentat a fait au moins 18 morts samedi à Mogadiscio. Les islamistes Shebab ont revendiqué cet attentat et affirment avoir tué de hauts responsables, mais des témoins ont déclaré que les victimes semblaient plutôt être des gens ordinaires. L'attentat intervient seulement 4 jours après une embuscade des insurgés contre le convoi du président somalien. En Égypte, 2 personnes ont perdu la vie à Alexandrie et à Damietta lors d'affrontements entre pro et anti-Morsi en marge de rassemblements des partisans de l'ex-président. Ces rassemblements n'avaient attiré que quelques milliers de personnes à travers tout le pays. Depuis le 14 août, l'armée et la police dispersent violemment presque tous les rassemblements des partisans de Mohamed Morsi. Depuis mi-août, 1 million de personnes ont été tuées, des manifestants pro-Morsi pour la plupart. C'est le plus long navire du monde et il est en ce moment dans le port de Tanger. Vendredi, les Marocains ont accueilli avec fierté le Maersk Mc-Kinney Møller lors de son voyage inaugural. Mis en service le 2 juillet, le géant des mers danois est long de 400 mètres et peut transporter jusqu'à 18 270 conteneurs. Après Tanger, il poursuivra sa route via le canal de Suez, direction le Proche-Orient. Allons à Paris, où se tient depuis hier la 3e édition du Festival international des films de la diaspora africaine. Les différents films sélectionnés abordent des thèmes qui incitent à la réflexion, notamment sur la vie et la culture des Africains. C'est sa 3e édition. Le Festival des films de la diaspora africaine revient avec à l'affiche 14 fictions documentaires et courts-métrages et même volonté affichée tordre le cou aux stéréotypes sur l'Afrique et la diaspora. Ce que je vois principalement, c'est d'un côté les femmes hypersexuées, les hommes machos et violents, d'un côté, surtout avec les vidéos, les clips vidéo. De l'autre côté, c'est les personnes qui sont affamées ou qui ont besoin qu'on les aide. L'Afrique est beaucoup plus moderne, est beaucoup plus globale, est beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus vivante et avec plein d'imagination que ce qui est présenté d'habitude. Bien vivante, l'Afrique, comme dans Malagasy Mankani. Un road movie qui raconte l'histoire d'amour entre 3 étudiants malgaches et une jeune indo-pakistanaise.
Tout aussi moderne, l'héroïne de derrière les portes fermées. Une jeune Marocaine victime de harcèlement sexuel. Il me harcèle, il me fait du chantage. Le film est toujours à la recherche d'un distributeur en France. Ça sert à quoi de faire des films et de ne pas les diffuser? Nous, pour moi personnellement, s'il y a une aide à avoir pour le cinéma africain, c'est la diffusion. Parce que c'est à partir de la diffusion de distribution qu'on peut faire des films. On ne va pas faire toujours des films avec des subventions, avec des fonds d'aide. Une parenthèse africaine, le temps d'un week-end à Paris, le festival espère 1 000 000 de spectateurs. Retour chez nous, mais tout en restant dans le monde des festivals. La 5e édition du Festival international de la danse et de la percussion aura lieu du 19 au 23 septembre prochain ici à Bamako. Les organisateurs de ce rendez-vous culturel ont annoncé les couleurs de l'événement au cours d'une conférence débat. 5 pays de la sous-région doivent prendre part à ce festival qui devra contribuer au développement de l'Afrique à travers la culture. Mohamed Diarra. Cette prestation du groupe Boisan donne ainsi le ton des activités de la 5e édition du Festival international de la danse et de la percussion Festip. Après quelques années d'absence, les organisateurs donnent rendez-vous au public malien le 19 septembre. Le Festip est une initiative des anciens cadres de la jeunesse. Son objectif est de promouvoir la culture à travers la vulgarisation des instruments traditionnels. Nous nous sommes rendus compte que la danse et la percussion, ce sont des éléments très importants dans le domaine de la promotion culturelle au Mali et en Afrique. La danse, la percussion, les chansons sont des éléments indispensables qui permettent à pas mal d'activités, à d'autres sources d'activités culturelles de se promouvoir. Aujourd'hui, le théâtre a besoin de la danse, le théâtre a besoin des chants. Aujourd'hui, la musique a besoin de la percussion. La musique a besoin de chant et de danse. Donc, ces éléments, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons les valoriser. L'édition 2013 est placée sous le signe de la solidarité. 5 pays de la sous-région sont attendus au rendez-vous de Bamako. Outre le son des percussions, les amoureux du spectacle auront droit aussi à un défilé de mode. Une innovation qui vise à mettre en valeur le génie créateur des Africains. Ces éléments qui sont des éléments très importants dans le levier du ressort culturel sont menacés parce que aujourd'hui, quand tu fais un tour en ville, les rythmes que nous avions dans le temps, on sent que les rythmes sont en train d'être dénaturés, d'être dévalorisés. Nos pas de danse sont en train d'être dévalorisés, d'être en tout cas appliqués d'une manière qui font que, de fur et à mesure, ces activités sont en train de perdre de vitesse. Et c'est pour cela que nous avons créé le Festival international de percussion de Bamako. L'ancien directeur des ballets maliens est le coordinateur de ce rendez-vous sur le journal. À la longue, il s'agit de léguer un héritage culturel à la nouvelle génération. Et puis, cette nouvelle sportive, un mot sur la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, zone Afrique. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Nigeria, l'Éthiopie ont rejoint la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie et l'Égypte pour le dernier tour qualificatif des matchs de barrage. Page noire de ce journal, le capitaine Farentoroma Keita n'est plus. L'officier de communication des opérations Djigitougou, Badenko et Maliba est détenteur de la médaille commémorative de campagne. Les funérailles du capitaine se sont déroulées cet après-midi au camp de garde de Ntomikorobougou en présence de plusieurs personnalités de notre pays et de nombreux chefs militaires. Moussa Fané. Le capitaine Farentoroma Keita repose désormais au cimetière d'Amdalaï. C'est le 1er août 1993 qu'il est incorporé à la garde républicaine en qualité d'élève garde. Après sa formation commune de base, au centre d'instruction de Ségou, il rejoint son corps et reçoit sa première affectation. Il reçoit successivement les formations professionnelles garde et techniques de base au maintien de l'ordre. Au terme de celle-ci,
Il reçoit sa première affectation au premier escadron du groupement de maintien d'ordre de la garde nationale du Mali. Les compagnons d'armes de Farid Togoma retiennent de lui plusieurs qualités. Je ressens une grande perte pour nous, la 26e promotion, mais aussi pour l'armée, et parce que le capitaine Farid Togoma était un conseiller pour nous, quelqu'un qui nous a toujours guidés dans le bon sens. Donc au nom de toute la promotion, je tiens à présenter nos condoléances. Aujourd'hui, c'est avec une grande émotion, un cœur meurtri et affligé, que j'essaie de parler de l'homme, un homme aux grandes vertus morales, sociétales et professionnelles. Donc parler de Farid, vraiment, ce n'est pas du tout facile, parce que c'était quelqu'un vraiment qui a de très grandes qualités humaines et professionnelles. Au quotidien national Le Sort, où Farid Togoma fut reporter, ses collaborateurs regrettent sa disparition. Farin a été travaillé un moment à l'Essor. Le journaliste que j'ai connu est un homme vraiment très agréable qui a émerveillé tout le monde à l'Essor. D'abord par son courage, par son abnégation au travail et surtout son humilité. Le capitaine Farid Togoma Keïta laisse derrière lui une veuve, quatre orphelins et des compagnons d'armes inconsolables. Paix à son âme. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir. Bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.